Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment sortir de la croix, du crucifix à partir de la croix. Donc, c'est une situation qui est super galère. Donc, mon adversaire me prend en crucifix. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple beaucoup en MMA, parce que forcément, c'est une position très très favorable pour les frappes, sans que je puisse défendre. D'accord ? D'ailleurs, elle m'a été demandée, je fais celle-là parce qu'elle m'a été demandée en commentaire sur la chaîne YouTube Alpha Fight Club. Donc, ici, je suis pris. Ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est libérer un bras. Ok ? Donc, je vais libérer celui qui est le plus simple, celui qui est entre les jambes de mon adversaire. Ok ? Pour ce faire, je vais venir orienter mes jambes vers les siennes. Je vais orienter mes jambes, forcer le fait de le... Même s'il me tient fort ici, je vais essayer de le basculer, de recroqueviller en fait sa tête vers ses genoux. Là, et ici, je vais sortir mon coude. Dès que j'ai sorti mon coude, je vais continuer à pousser pour rentrer, vraiment le forcer à se mettre, à être embarqué vers sa tête. Je vais rentrer mon bras sous son corps et là, je vais repartir d'un coup d'un seul de l'autre côté en rotation. Là, et je vais monter mon bras très haut. Ce qui me permet d'arriver dans une position déjà où je suis sorti de la croix, du crucifix. Et en plus de ça, je suis dans une position où derrière, je pourrais attaquer par exemple l'anaconda et finaliser le combat. Donc on recommence. Je suis pris en crucifix. Là, je vais orienter. D'accord ? Quitte même à, quand je vais orienter mes jambes, quitte même à pousser avec mon genou. D'accord ? Pour sortir mon coude. Essaye de rester là. Pour sortir mon coude. Dès que le coude il est sorti, on est déjà plus safe. C'est ça qu'il faut arriver à sortir en premier. Là, je vais pomper, sortir mon bras, le glisser en dessous et repartir de l'autre côté. C'est très rapide, regardez. Quand je viens, ici, mon bras, il va venir chercher l'épaule opposée ici. D'accord ? L'épaule opposée. Et je sors ma tête pour revenir face à lui. Et là, soit vous choisissez l'étranglement, soit vous repassez dans le dos pour ensuite faire votre travail de prise de dos et travailler autrement. Ça dépend si vous cherchez les points ou si vous êtes mené et qu'il ne reste pas beaucoup de temps et que vous cherchez l'étranglement. Ok, à vous.